YouTube, installe-toi YouTube, bienvenue pour cette nouvelle VOD, ce nouvel épisode sur Tekken. Une fois de plus, c'est une petite session avant d'aller jouer à un autre jeu, The Last of Us. Donc voilà, on va aller chauffer un petit peu, on va faire de la ranked, mais je voudrais faire un épisode de personnage d'abord. C'est vrai que les épisodes de personnages dans Tekken, j'ai un peu de mal parce que c'est un peu trop facile, je trouve. Donc je m'ennuie un peu, mais à l'époque, c'était ce que je préférais quand j'étais plus jeune. Donc on va aller s'en faire un maintenant. Puis voilà, hein. Voilà. J'aime bien la musique, là. Alors le fond vert avec mon petit polo là. Je crois qu'il est un peu approximatif, il y aura peut-être des petits trous, ça va peut-être un peu clignoter. Voilà, il y a pire, mais bon. Hein. Attendez, hein, le jeu arrive. Et on coupe le son et on est parti. Ah ouais, on voit, il y a un petit bord là de fond vert là. Non, il reste là. Ah, il est un peu parti. Ouais, bref, c'est pas parfait, mais on s'en fiche. Hein. On s'en fiche, on est bien. 9-9 les votes pour le Batagame. C'est vrai, c'est 9-9 maintenant? Comme le Pokémon 9-9? Oui, c'est 9-9. Oh, OMG. OMG. Il y a BFX qui a voté pour les deux. Voilà, parce que oui, pour le Batagames, vous pouvez voter pour les deux, bien évidemment. Les amis, je sais qu'on va pas beaucoup jouer, on n'a pas beaucoup le temps, mais j'ai envie de regarder l'intro aujourd'hui. Venez, on la regarde. Je ne l'ai pas regardé la fois passée. Pourtant, c'est un peu obligatoire, normalement, pour moi. Donc là, on attend et on va se mater l'intro. Il n'y a pas de truc bizarre? Non, ça va. Mumu dans l'ombre. Je croyais que j'avais pas le son, mais ça va arriver, non? Si, voilà. Ah, c'est pas fort. Arrête, j'ai un écouteur qui marche plus. Déjà? Mais non. J'ai déjà un écouteur cassé, je l'ai acheté il y a moins d'un an. Oh, c'est triste. Putain, j'ai un écouteur en moins. Non, je suis deg. Vote pour Mortal Shell, c'est vrai? Ah ouais. Au moins, il y aura quelqu'un. Hein. Salut Mia ou Flora, ça va ou quoi? Mais rarement, le second écouteur, non. Mais de plus en plus. Et puis, j'aime bien alterner. Mais là, je peux plus. Oh, c'est horrible. Oh, c'est trop nul. Putain. Ça va encore me coûter 15 balles. Je les achète à 15 balles. Profite pas de l'intro du coup. Bon, c'est pas grave. En fait, c'est grave. Pour The Last of Us, je pourrais pas mettre les deux écouteurs pour écouter si les ennemis viennent d'un côté ou de l'autre, quoi. Peut-être que je mettrai mon casque, mais j'aime pas mettre mon casque. Ok, je diminue un peu le son, hop. Tekken 8, les amis, c'était l'intro, une intro de folie. On est accro à cette intro. Ça va mieux, ouais? Je suis dans mon appartement depuis vendredi 8. Ok, nice, cool. Cool. Félicitations. C'est chouette. Hop. C'est chouette. Ben, installe-toi, Miaou Flora. Donc, on va un petit peu se battre sur Tekken. Et puis, on partira se battre contre les champignons. Voilà, Burk les champignons, je n'aime pas. Casque de chantier. Mais les casques de gamer, tu sais, il y a... C'est vrai, quand je vois des gens sur Twitch avec des gros casques, ça me dérange pas, mais quand moi je me vois avec, je déteste. Hein. Avertissement de maintenance. 13, 14 mars. On est le 13. Mercredi, 19h à minuit. Attends quoi? Je peux pas... Pardon? Ah non, c'est PDT. Attends, mais c'est quelle heure pour nous? TC... Salut Bana, ça va ou quoi? Donc nous, c'est le 14 mars.
Nous, c'est jeudi, de 2h à 7h du matin. Ah, ça va. Bah oui, ça aurait été bizarre, hein. Non? Oui, voilà. Non, nous, oui, c'est ça. Ça aurait été bizarre. J'ai eu peur. Comme c'était des jours différents, je me suis dit peut-être qu'il y aura 3 maintenances, tu vois. Mais non, ok. Ok, tout va bien. De toute façon, on va faire un peu d'histoire. Est-ce qu'on fait un épisode de personnage ou est-ce que je vais en ligne tout de suite? On va se faire un épisode de personnage. Un petit, là. Avec qui? Oh, Reyna, elle est débloquée ou pas? Un petit attention. Merde, j'ai cliqué dessus! Bah tant pis, on le fait, hein. Ah, mon deuxième écouteur! She loved and respected her father, whom she saw as a role model, but Heihachi vanished after his defeat by Kazuya Mishima. The now headless Mishima's Aibatsu put on the new The King of Iron Fist tournament in order to choose a new head of the organization. Donc ça, c'est un épisode de personnage. On va voir... L'objectif, c'est de débloquer la cinématique de fin d'un personnage qui va faire comme si le personnage en question gagnait le fameux tournoi de Tekken. L'Iron Fist, ton amant. Et voilà quoi. Donc voilà. J'aurais pas voulu. C'est pas elle que j'aurais choisi, hein, mais. Mais je l'aime bien, heureusement. Donc ça va. Oh, le scanner, j'ai pas vu. Il est passé ou pas le scanner? Niveau casque? C'est où j'ai le style série Artis SP, c'est la... un banger. Mec, j'y connais rien du tout. J'y connais rien du tout au casque. Mais j'en ai un bon, hein. Mais que j'ai acheté à mon frère, mais j'aime pas avoir un casque tout là, tout est quoi. Ah mais c'est Miaou Flora qui m'a dit ça, je croyais que c'était Mumu. Ah mais attends, vous avez le même? Ah vous avez le même? Ah putain, vous avez le même? Ça me tue. Tu connais rien mais tu l'as? Ok. Bon écoute, ça a l'air d'être un banger si on en écoute... Aïe, si on en écoute... Notre cher ami Mumu. Aïe. Alors avec Reyna, il y a des trucs sympas à faire, hein, mais... Alors j'ai dit que c'était facile ça, donc il faut pas que je me fasse péter la gueule non plus. Ok. Oh. Bien invoqué Gollum. Ça ressemblait à Gollum ou quoi, hein, le scanner? Aïe. Oh, ça, je l'ai jamais, ça, en ligne. Bon, je vous ai dit, c'est un peu facile quand on fait ce mode-là. Je vais aller chercher le casque, hein, je crois. Je vais aller chercher le casque, là. Ah mais si je mets le casque, je pourrais pas gérer le volume. C'est quoi l'astuce? Ouais, non, je pourrais même pas jouer avec le casque parce que j'ai besoin d'un truc pour gérer le volume. Oh, je pourrais pas... Putain, ça va être dur The Last of Us après. Putain, ça va être trop fort dans mes oreilles. Ah oh, merde. Aïe. Putain, j'ai pas l'envie de gagner parce que c'est pas des joueurs en ligne. C'est dingue ça. Quand j'étais petit, je faisais que ça, hein, jouer contre les bots, tu vois, contre l'histoire. Mais maintenant que j'ai découvert le mode en ligne, j'ai juste envie de jouer en ligne, quoi. J'avoue, je crois pas que je ferai tous les personnages. Hein. Peut-être pour les découvrir en solo, mais en live, là, j'ai juste envie de faire quelques combats. J'aurais peut-être pas dû lancer ça. Hein. Alors, elle fait... Elle, avec ses pieds, elle fait... Oh non! Non, je testais des trucs! En casque, j'ai le Pulse 3D. Mais les gars, j'y connais rien. Je sais même pas vous dire la marque de mon casque. Hein. Je l'ai acheté à mon frère. Et parce que là, vous me donnez des noms, mais ça, moi, ça veut rien dire. Hein. Moi, j'achète des écouteurs, je sais même pas c'est quoi leur marque. Après, le son me convient, attention. J'ai pas envie d'avoir un son de merde non plus, tu vois. Mais vraiment, j'aime pas les casques. Je suis enfermé, j'entends rien d'autre à part le jeu. J'aime pouvoir quand même entendre un peu ce qui se passe autour de moi, tu vois. Si jamais il y a un problème chez moi, etc. Tu vois, aussi simple que ça. Aïe! Et puis je trouve que j'ai une tête de con aussi. Et puis ça donne chaud à la tête et tout, tu vois. Bah, t'es plein de contradictions. Ouais, je sais, mec.
Aïe. Ah, j'ai raté mon... Il faut que je me concentre quand même. Allez, merci, meurs. Passons au troisième adversaire, les amis. Je crois qu'il y a 5 combats. Et à la fin, c'est la finale. Et puis, on débloque la cinématique. C'est le casque de PlayStation. D'accord. D'accord, d'accord. Non, j'ai pas la même, je pose une question. Ah, j'avais pas vu. Ok, 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 d'accord. Salut, Tani Stiti, ça va ou quoi? Ça va bien, Tani? J'espère que tu n'es pas un de ces incompétents à l'esprit limité. Très mal équilibré, Kuro. Hein. Je porte des thés périodiques, je peux pas mettre les embouts alors pour écouter la musique et toi je les écoute tous mes appareils des thés. Moi je mets les casques, je comprends pas très bien ce que t'as dit. Je porte des thés périodiques, je ne comprends pas ce que ça veut dire. J'ai pas très bien compris ta phrase, Flora. Bon ok, attends, je dois me concentrer un peu là. Je transpire pas du crâne quand je mets un casque. Au contraire, je pense. Je vais avoir moins chaud que vous avec vos cheveux. On transpire pas plus quand... quand on n'a pas de cheveux. Hein. Oh, ça me donne chaud aux oreilles, quoi, le casque. J'aime pas. Non, j'ai enlevé ma garde. Salut Just Noru, c'est Band Gaming. Vous allez bien tous les deux? J'ai zappé que tu streamais, je deviens folle, ça y est. Ouais, un petit peu, hein, mais c'est pas grave, on t'en veut pas, Tani. On t'en veut pas. Donc on fait un peu de Tekken, et puis on part sur The Last of Us à 20h pile, hein. Je vais pas dépasser 20h, je pense. Enfin, vous me connaissez, des fois, voilà, mais... Putain! Donc là, on n'est pas contre un joueur, d'accord? Ceux qui débarquent, on est contre l'ordinateur, on fait un épisode de personnage, encore 2 combats, je pense, et puis on passera au mode en ligne. Le mode épisode de personnage, Bond Gaming. Pour débloquer les cinématiques, là. Ouah, parce que chaque personnage a une petite cinématique, une petite histoire. Quand il gagne le, quand il gagne le tournoi, tu vois. Mais attends, j'arrive à rien avec Reyna. Hein. J'arrive vraiment à rien avec elle. Hein. Oh, waouh, you lose. J'ai perdu, j'ai un game over. Ok, il faut que je me concentre. Je crois que je suis pas concentré. Je porte des appareils auditifs, je peux pas mettre des bambous à cause de ça. Des bambous? Plus que de la musique avec mes appareils auditifs. Bah oui, les appareils auditifs, tu peux les brancher directement sur ton téléphone, etc. quoi. Ouais, je vois. Aïe. Ça va le son? Il faut pas que je diminue le son. Faut pas que je diminue un peu le son? Je pourrais un petit peu, hein. Salut Priscilla, pourquoi t'es folle? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pour toi, Kuro? Ok. Ok, ok. Ce que j'ai pas envie, ce que je crie déjà, j'ai l'impression. Je mange, je peux pas jouer, là, j'ai la dalle. Bah écoute, de toute façon, je vais pas faire de combat avec vous aujourd'hui parce que. On va aller très vite sur The Last of Us, donc voilà, mon cher Bond Gaming. Just Noru, j'ai loupé ton message, si jamais. À part le Boto Show, là. Son nickel? Ok. Trop nul avec Reyna. Oh, on se sert des ultis alors, hein. Allez, comme ça on en finit là, parce que bon, moi je vais aller combattre un joueur en ligne quand même avant. De toute façon, c'est ok, je pense. D'accord. Il y a un décalage de 26 secondes. Je vais te... Toi, j'ai failli être très vulgaire, Tanis Titi. J'ai failli être très très vulgaire. Il est pas mort! Ouf. J'ai failli très très vulgaire. Ça fait depuis août que je n'en porte plus. Ah, tu portes plus d'appareil auditif. Oh, d'accord. Je sors alors qu'il fait nuit. Tu sors là maintenant? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Priscilla? Oh, et Myria qui a envoyé la pizza, j'ai même pas entendu. Les gars, j'ai un écouteur qui est cassé, je dois en racheter. Ils ont même pas un an ceux-là, ils étaient beaux, ils étaient couleur orange et tout. Ça me fout le seum, les gars. Putain, non, je veux terminer, c'est le combat final, je veux passer au mode en ligne, je préfère jouer contre des joueurs. J'ai pas la rage de vaincre contre les bots, là.
Allez, il faut que je me focus. C'est qu'un bot, il faut que j'aille vite. Vite et bien. Putain, l'enfoiré. En plus, j'ai même pas fait exprès de choisir Reyna. Je voulais pas la choisir, j'ai cliqué dessus parce qu'il y avait un truc bizarre. Et ça l'a pris direct et ça a lancé la cinématique. Moi, je voulais pas la jouer. Bien que je l'aime bien, hein. Je me fais défoncer par un bot. Il va se protéger, merde. Ah non. Tu dois payer 15 balles, c'est normal, faut les payer plus que 15 balles. Christiane, je te conseille la marque, une bonne marque. Pour Christiane, alors quoi? Christiane, c'est une marque, c'est ça? Mais en fait, c'est des écouteurs. Oui, ils coûtent 15 balles, ils coûtent 19 euros en vrai. Mais en fait, j'en avais déjà acheté il y a quelques années, ils ont duré 3 ans en fonctionnant nickel. Là, je sais pas, j'ai pas eu de chance, ils ont dû tomber ou j'en sais rien. Et ils ont pas duré longtemps, quoi. Mais le... 3... 4... Même 4 ans, mes anciens écouteurs, et c'était les mêmes, la même marque. Pour ça, je me suis pas pris la tête. Je pensais que ce serait bon, tu vois. Moi, j'achète pas les écouteurs à 50 balles, y a pas besoin. La plupart du temps, vous achetez des écouteurs ou des casques hyper chers, vous savez pas dire la différence. Donc, je suis un peu méchant, mais... Franchement, c'est des bons écouteurs, quoi. Y a pas un nom très japonais. Ah bon? Je connais pas trop de monde japonais. Ah, c'est maintenant la finale. Let's go. Peut-être se garantir des écouteurs bâtards. Bah, je ne sais pas. Peut-être. Effectivement, peut-être. Faudrait que je vérifie. Je crois pas. Hein. Des bisous, Priscilla. J'ai besoin de prendre l'air en ce moment. Mais c'est bien, il faut prendre l'air. Mais il faut aller marcher plus tôt, quoi, quand il fait clair, non? Je sais pas. Après, il est tôt, hein. T'as raison, hein. Allez. Oh, le fameux coup de bande gaming. Bien la nuit. Bah ouais, c'est beau, hein. C'est beau d'aller dehors quand il fait noir, les paysages sont différents, hein. C'est comme aller se balader sous la pluie, ça change aussi, même si sous la pluie on n'est jamais motivé. Balader quand il pleut, tous les décors sont différents, tout change. Un peu dépaysé, quoi. Ah, putain, mais Reyna, elle a des trucs sympas, je pense. Fuck. Ah, le fils de bleu, bleu. C'est bon dehors, je trouve. Je suis sorti il y a 40 minutes. C'est vrai qu'il commence à faire meilleur. On sent vraiment le printemps qui arrive. D'ailleurs, je vais devoir bientôt recommencer à travailler dans mon jardin. Tondre la pelouse, tout ça. Non! Non, le fils de pleuvé! Je savais qu'il allait faire ce coup-là, là. Le coup de bande gaming, je déteste ce coup. Merde, je regarde. J'allais pas dans le bon sens. Oh, attends, je peux pas vous lire. Merde, je l'ai levé en l'air et j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Vraiment, je vais l'enculer, hein, lui. Vraiment, je le déteste. Non, vraiment, arrête! Pardon, hein. Franchement, perso, j'achète pas des trucs chers parce que justement, comme tu dis, je vois pas trop de la diff. Bah, c'est ça, hein. Après, voilà, il y a des écouteurs vraiment de merde. Il peut y avoir des casques vraiment nuls. Mais il faut pas tomber dans le piège de parce que t'achètes cher, c'est d'office meilleur. Alors que tu. Enfin, tu vois. Il y a moyen de trouver de la qualité vraiment acceptable et même bien. Ça coûte pas 100 balles, quoi. What the fuck? Bouzama,
それが貴様に突きつけられた世界の答えだ。うん。うん。うん。うん。うん。貴様。ぐほっ。沈め。ぐほ。Le pauvre Kazuya. Zuga takai. Mino hodo shire. Zako ga. Jama da. Il y a le visage des Yashi sur la lune. Pourquoi ? Le fameux rire de Heihachi. Pas compris. Ok. Venez, on passe aux choses sérieuses. On va jouer en ligne contre des vrais joueurs, là. Ça me fait toujours rire les cinématiques de Tekken. OMG, quoi. Moi, je suis pas fan de jeux de combat. Mais écoute, Flora, t'inquiète. Dans 25 minutes, dans 25 bonnes minutes, on change de jeu. Et on va sur The Last of Us. Tu aimeras peut-être plus, hein. Dès le début d'un film, un peu, vous voyez. Just know who. Il va l'appeler le coup band gaming. Mais ouais, mec, de ouf. Regardez, c'est intéressant. Ah ouais, t'aimes bien quand même. Ben là, tu vas voir, ce qui est cool ici, c'est que... Là, ce qui est chouette, c'est suivre les combats quand je joue en ligne, parce qu'on joue contre quelqu'un qui est chez lui aussi. Et du coup... Je sais pas, je sais que quand je regarde quelqu'un jouer un jeu de combat et que je suis pour lui, c'est chouette, tu vois. C'est cool à regarder, j'ai envie qu'il gagne, tu vois. Donc, je compte sur vous pour m'envoyer de la force. En vrai, je crois que je vais me faire plaisir, je vais jouer un peu avec King, mais ça veut dire que je vais tomber contre des adversaires difficiles, je pense. Tellement what the fuck sa cinématique, t'es ouf. Mais Tekken, elles sont toutes what the fuck. Hein. Je croyais que t'allais dire dans 25 minutes, tu vas redemander, mais non. Quoi? Mais what the fuck? Ah, regardez, j'ai mis une musique de Tekken 5. Get ready for the next battle. Une des musiques préférées de Tekken 5. C'est long, un bon gaming. Vas-y, casse. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Ok. Premier combat en ligne. On joue avec King directement. Ça risque d'être chou patate. On joue contre Low. Il a plus de points Tekken que moi. Ok. Round 1. Bah écoute, y a beaucoup de jeux vidéo que tu dois pas trop aimer alors, Miaou Flora. Hein. Malheureusement, le jeu d'après t'aimeras pas, hein, parce que... Attends, je vais me taire. Je vais me concentrer. Enfin, c'était sûr qu'il allait me faire une chop, il a bien joué. Hein. Putain, il est chaud le mec, direct. Hein. J'étais accroupi! Mais j'avançais. Putain, il m'a défoncé! Ok, 1-1. Je te le dis après, Miaou, parce que ton message est long et là, je peux pas... Je peux pas, malheureusement. Mais vas-y!
Non, tu vois, là, je m'énerve un peu, tu vois. Non, je pensais qu'il avait peut-être tenté quelque chose, et non. Et je pensais qu'il avait tenté un truc, mais non. Tuer pour tuer et tout. Mais ouais, mais je comprends. Je comprends. Mais tu joues à quel genre de jeu vidéo? Dis-moi un petit peu, parce que c'est vrai que dans la majorité des jeux, c'est de la violence à l'état pur, hein. Vas-y, j'arrive pas à jouer. Il me défonce. Il me défonce trop, je m'énerve. Il en faut pour tous les goûts. Bah ça, oui, il en faut pour tous les goûts, ça c'est sûr. Je joue à des jeux violents mais qui n'ont pas que de la violence. Je joue à Zelda, je joue à Nino Kuni. Ok. Bah écoute, ouais. Mais moi, Tekken, c'est pas que un jeu violent. Je le vois même pas comme un jeu violent. Je le vois comme un jeu drôle, un peu what the fuck. Où on peut se mesurer à l'adversaire, mais je vois pas de la violence à l'état pur, tu vois. Le jeu d'après qu'on va faire, The Last of Us, c'est un jeu ultra violent. Sauf qu'il y a beaucoup d'amour et d'émotion dedans, derrière, tu vois. Et peut-être tu vas détester, parce que tu vas le trouver vachement trop violent. Je me fais trop défoncer. J'en ai marre. Je m'énerve. Lui spammer un petit peu le bougre. Ouais, mais il joue, ouais. Ouais, mais cette attaque-là, elle est trop forte sur l'eau, hein, tu vois. Mais tu vois, ça c'est plus facile à faire. Ouais, je suis trop con. Il savait que j'allais faire ça. J'ai eu des lags, hein. Oh, le... C'est dur! Ok, là je suis occupé de m'énerver, chat. Je prends aucun plaisir, il est trop fort! Putain, il est trop fort. Il était trop fort pour moi. Mortal Kombat, ça c'est de la violence. Ouais, Mortal Kombat c'est un peu plus violent, ouais, c'est vrai. C'est un jeu qui est fait pour se taper dessus, mais c'est un jeu plus tu es con comme un jeu de Kung Fu. Miaou, je comprends pas toujours ce que tu racontes. Il y a de la discipline, il y a de l'art, d'un art martial. Mais ça ici c'est rempli de d'arts martiaux, hein, justement, hein. Il y a beaucoup de vraies techniques, c'est presque que ça d'ailleurs. Chaque personnage a ses spécialités, hein. Il y a du what the fuck un petit peu, Tekken c'est une licence assez drôle et fun, mais attention que beaucoup de coups sont juste des vrais coups qui existent. Des fois ils sont exagérés ici un petit peu, mais c'est ça le fun de Tekken. Mais la plupart sont des techniques existantes, quoi. J'ai mon coup Band Gaming, lui il a son coup pirouette balayette. Oh, il m'a fait chier, il m'a trop énervé. C'est dur pour battre le noob, Mikas. Franchement, ouais, coup dur. J'avoue, coup dur, ce combat-là. Tu vois ce qu'il y a d'intéressant dans du catch, un jeu de catch, je comprends. Toute une âme dans le catch, c'est pas juste te frapper pour te frapper. Mais, alors, je comprends pas. Tu n'aimes pas ce jeu, en fait. C'est ça que tu me dis? C'est quoi la différence entre du catch et ça, là? Vraiment, j'en vois aucune, quoi. En fait, ici, c'est du combat, il y a du spectacle, il y a de l'histoire avec les personnages, ils sont tous un peu fun. Je comprends pas où tu veux en venir, en fait. Je comprends que tu préfères les jeux narratifs, mais où est-ce que tu veux en venir? D'un coup, tu me dis la violence est horrible. En fait, la violence, quand il y a l'histoire, ça va.
Et puis, les jeux de combat, c'est horrible, mais en fait, le 4, j'aime bien. Je sais pas ce que tu essaies de me communiquer. Je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai pas dit que j'aimais pas, jamais dit que j'aimais pas, je dis je comprenais pas, c'est pas pareil. Je sais pas, j'ai lu au moins 5 messages de toi qui disaient que t'aimais pas les jeux violents. Écoute, je ne sais pas quoi te dire. De plus. Là, ils veulent pas me trouver un adversaire. Salut Monsieur K. Ça va et toi? Je viens de me faire défoncer là. Je suis un peu énervé. Le 4 s'est mis en scène, du coup c'est peut-être moins pire selon elle. Oui. Ouais, ok, je comprends. Mais là, dans le jeu, c'est un jeu, c'est rempli de mise en scène, si tu veux. Donc, enfin, c'est un jeu, quoi, du coup. Donc, c'est littéralement de la mise en scène, mais ouais. Ouais. Sauf que les jeux trop violents, c'est pas ouf. C'est pour ça que j'aime pas... c'est pour ça que j'aime trop Hogwarts Legacy avec Andoloris. J'ai même pas eu Andoloris. J'ai pas eu de sort... Ah, si. J'ai peut-être eu le sort Andoloris, tiens. Je sens que ça va laguer un peu. Ouais, ça lague, merde. Oh, regardez, c'est rouge. Ah, ça va aller ou pas? Ok, nouvel adversaire. On reset le mental. On reset le mental. On se focus. Je réfléchissais comment j'allais le terminer et en même temps je voulais pas prendre de risque. Il a l'air d'avoir plus de points que moi, tu vois. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe. Ah, pas le perfect, mec. Hors de question, mec, je te laisse pas le perfect. Pourquoi j'ai fait ça? Non! Je pensais trop qu'il allait attaquer en dessous. 1-1. Il a mis ses couilles au visage, qu'est-ce qu'il a fait là exactement? Je fais un peu le spammer, là j'ai fait le spammer Ibana, si t'as vu, j'ai fait le spammer un peu. Écoutez, ne me lis plus, mais comment ça ne me lis plus Flora? T'écris énormément de messages dans le chat, comment ça me lis plus? Je suis obligé de te lire, t'es dans mon chat. Dans mon chat, et voilà, je te lis. C'est dur à suivre parce que t'écris beaucoup de messages qui sont longs. Voilà, et c'est très dur pour moi. Je joue à un jeu très nerveux où les combats s'enchaînent. Donc quand on voit plusieurs fois un petit pavé sur le même sujet depuis tout à l'heure, c'est compliqué des fois. Si on était sur un jeu plus calme, là, peut-être que, tu vois. Mais bon, me lis pas quoi, parce que bon, à ce moment-là. Il est énervé, hein. Je pense qu'il est énervé, le mec en face. Oh, il est énervé. Oh, il m'a défoncé. Mérité. Je l'ai peut-être pas respecté tout à l'heure. Hein. Les Warang avec le même combo de pillage 24, j'en croise trop souvent. Mais moi, ça va, il a pas fait de truc. Il a pas spammé, lui, hein. Lui, il a joué normal, hein. On bat le vide par moment. Dis-moi, je t'ai lu, toi. Attends. Je vais essayer de le défoncer.
dès qu'il me laisse l'occasion de me relever, hein, ok? C'est pas vrai! Ah! C'est pas vrai! Putain! Je voulais vraiment pas qu'il me mette un perfect. Plus intéressant que ce que j'en avais en a priori, c'est tout, voilà. Ok. Bah oui, mais t'es arrivé, t'as dit tout de suite, j'aime pas les jeux violents. T'avais écrit 10 000 pavés pour m'expliquer que t'aimais pas les jeux... Enfin, je sais pas quoi te dire, en fait. Je sais plus. Je sais plus. Regarde, je suis encore mort. Je vais devenir violent, je vais casser ma manette. J'arrive pas à jouer, là. Non, c'est trop, hein. C'est trop! C'est trop! Il m'a mis 3-0! Ah! Pas la manette. Non, j'ai jamais rien cassé. J'ai jamais rien cassé. Mais tu vois, t'as écrit deux messages qui font... Je suis désolé, mais... Trois lignes en... Mais vraiment, en une minute, même pas. J'ai du mal à suivre. Je me suis renseigné, je me suis intéressé, que tu peux pas savoir que je suis comme ça. Moi, c'est bon, j'arrive pas à même plus. De plus en plus, je quitte le vocal, j'en ai marre, mais de moi, pas de vous. J'ai beaucoup de messages, mais parce que je m'intéresse à ce que tu racontes. C'est là, qu'est-ce qui se passe? On a encore fait un jeu violent, j'ai l'impression que c'était ça. Donc j'ai directement pris le truc sans qu'on essaie de comprendre, c'est tout. Mais je comprends, Flora, c'est moi, je suis désolé, je sais que tu donnais juste ton avis, mais... T'es arrivé, t'as dit vraiment « Bonjour, j'aime pas les jeux violents ». Et je, sur le moment, je, voilà, d'accord, au début, il n'y a pas de souci, on discute, mais... Ouais, t'écris beaucoup, c'est très dur à suivre. C'est très dur à suivre, et en plus, des fois, tes phrases, elles sont dures à comprendre. Et ça m'aide pas, des fois, tu mets pas de points, pas de virgule, et des fois, je ne comprends pas ce que là où tu veux en venir, tu vois. Et moi, qui suis en plein dans mon jeu, bien galère... bien rapide, où je dois être ultra focus, j'ai du mal, quoi. Tu vois? Tu m'as envoyé 5 messages comme ça pour me dire que t'aimais pas les jeux violents, mais pour ci, pour ça. Je veux bien qu'on discute, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'échange. Tu vois? C'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être que j'en fais trop et je m'en excuse. Je veux pas que tu te sentes mal, tu vois? Je suis désolé. Mais vraiment, je suis désolé. Mais je sais pas, c'est compliqué pour moi. J'avoue, c'est juste compliqué pour moi. Le karma, ouais, je me suis fait karma, là. Je me suis fait karma, mais j'ai pas été une seule fois concentré sur le jeu depuis que je... Aujourd'hui, là? Est-ce que j'ai été ne serait-ce que concentré un combat? J'ai pas l'impression. Tu vois, en fait, je loupe beaucoup de messages, du coup, parce que c'est grand, là. Que je vienne et prendre Lee pour faire des commandes. Non, 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 je fais pas de combat contre vous aujourd'hui, Ibana. On va bientôt changer de jeu. C'est plus clair. Pourtant, j'essaie de faire des efforts et ça me fatigue. Autant moi que vous. Mais alors, il faut savoir te poser. Il faut savoir chill. Dans le chat, vous êtes parfois 10 à parler en même temps, tu vois. Si tu écris 3 messages d'affilée comme si tu écrivais à une personne, c'est compliqué pour moi de suivre. Surtout qu'il y a tous les messages des autres qui, du coup, deviennent invisibles à mes yeux, tu vois. Et t'embarquer dans des explications complexes dans un chat quand on est plusieurs à parler en même temps, etc., ben, c'est compliqué, tu vois. Je peux pas te donner toute cette attention-là. En plus de l'attention au jeu, en plus de l'attention aux autres, c'est très compliqué. Donc il faut pas spammer, faut se poser, faut pas se répéter inutilement, faut essayer de bien écrire. Les fautes, c'est pas grave, mais il faut que j'arrive à lire, quoi, et à comprendre. Si tu écris 4 phrases en un seul bloc de texte, sans virgule, sans point, je ne peux pas comprendre. Je vais le survoler, ton message, et je vais m'énerver intérieurement parce que je suis là, mais qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois? Et au final, on n'arrive pas à débattre à cause de ça, tu vois. Pour toutes ces raisons, et pas que de toi, de moi aussi, parce que j'ai plein de choses à penser, tu vois, justement. C'est compliqué sur Twitch, la communication, ça, on le dira jamais assez. Hein. Bon, vas-y, il est déjà presque 20h, on va quand même encore faire un petit combat. Hein. Bon Gaming s'est fait ban, là. Re-Weird, j'ai fini mon animation, du coup, je peux me poser enfin. T'as fait une animation de quoi, Weird? T'as animé quoi? De la merde, mais je sais pas ce que t'as dit, mais écoute, chais, hein.
Merci pour cette découverte. Mais t'as même pas eu le temps de le découvrir, j'ai l'impression. J'ai pas beaucoup parlé du jeu, on a pas dit grand-chose. Bon, allez, là, le combat. Je veux un dernier combat. 3 minutes ? 30 secondes, il a banni 30 secondes. Comment tu dis 3 minutes, toi ? Tu as vu le dernier maître de l'air ? Oui, j'ai vu la série Avatar. Moi, je suis un grand fan de l'animé. Je suis vraiment un grand fan de l'animé Avatar, le dernier maître de l'air. Ah, le combat. Et bon, la connexion n'a pas l'air parfaite, mais go. Un Américain, on va jouer contre un Américain. La série est bien, la série est très bien, les acteurs sont cool. Y a des choses à redire quand même, mais globalement, je suis très satisfait. Je suis un peu déçu de Katara. Katara, je trouve qu'elle aurait dû être un peu plus intéressante. L'actrice est un peu toujours la même expression. Et attends. Ok. Je joue contre moi-même. Je joue contre moi-même. Ça, je sais pas le faire, moi. Bon, je suis mort, hein. Ok, on est face à un adversaire... Après, je joue avec mon personnage principal. Je crois que je vais me taper que des adversaires forts. Qui maîtrisent le jeu. Ok, il m'a refait sa prise. Est-ce qu'il va réussir à la faire? Ah, j'ai réussi à me détacher. Ok. Ok, c'était sûr. Il est fort. Attends, je dois vachement me concentrer. En plus, j'aime bien avoir des avis des gens sur les jeux, tu vois. Le sujet que tu t'as fait par rapport à la violence dans les jeux vidéo, je comprends et je l'apprécie en plus, c'est ça le pire. Putain, la communication n'était pas synchro apparemment. Putain ! Oh, il me défonce trop ! Bien joué. Ah, il m'a fait ça direct ? Je savais même pas qu'on pouvait le faire direct, ça. Waouh ! Waouh, il est fort, hein. Après, il a encore... Il a combien ? Il a 50 000 points en plus que moi, quoi. 40 000 points Tekken. Vas-y, je vais prendre ma revanche. Oh, il a cancel, le fils de... Il me donne même pas ma petite revanche. Bon, les gars, je trouve un dernier adversaire et puis on change de jeu. D'accord ? J'allais me faire mon repas, pas de bêtises de chat, ça roule Koro, à tout de suite. Et du coup, l'avatar, est-ce que t'as aimé, toi? T'as vu son message s'est passé 1000 ans après qu'il l'ait envoyé. Ah ouais? Bah c'est pas à cause d'un autre message que tous ses anciens messages se sont fait supprimer? J'ai capté juste ton message carrément pas affiché chez moi. Ah d'accord, ok, what the fuck. Mais y a pas de souci, miaou. Y a pas de souci, hein. Mais c'est juste que c'est compliqué à suivre, tu vois. C'est compliqué à suivre. Faut que tout le monde ait son espace pour discuter. Et surtout quoi. Son skin, vous avez vu? Ok. J'espère qu'il va être cool à jouer. Aïe. Oh, c'est Patrick de Bob l'Éponge. J'avais pas remarqué. Il a un skin de Patrick de Bob l'Éponge. Ah, c'est incroyable. OMG, j'avais pas capté le chat. Oh waouh, je l'ai fait ça direct. Oh waouh.
Oh non, je le défonce. Non, j'aime bien ton skin, mec. J'aime bien ton skin, vraiment. J'adore, mec, je te jure. Ah, dommage, j'aurais pas fait perfect. Aïe. Osseux. T'es incroyable. Où est Bob quand on a besoin de lui? Alors, perso, oui, parce que vraiment, c'est beau, mais sinon... Si t'es vraiment fan, bof, car tu as des erreurs et ça me va pas. Je pense que les fans d'Avatar, il y en a quand même beaucoup qui ont apprécié la série. Hein, parce que moi, je suis quand même un grand fan. Il y a des erreurs, mais c'est des choix, en fait. Ils ont fait des choix. Ils ont fait beaucoup de choix qui diffèrent de la série originale. Mais quand même, ça va. Hein. C'est pas des mauvais choix. Hein. Je l'ai fait le perfect. C'est pas... Enfin, je trouve... Si, ça, c'est chacun un peu son avis, mais... Ça détruit pas du tout la série, je trouve. C'est quand même très respectueux, de mon point de vue. Ok, Patrick veut sa revanche. Dommage que t'aimes pas. Ah, tu l'as pas fini? Ah ouais, t'as du mal à ce point-là? Parce qu'il y a aussi un truc, c'est qu'il faut savoir se détacher de l'animé, il faut voir ce que la série a à offrir. Hein. Si c'était qu'un copier-coller, on chierait dessus de ouf. C'est quand même vachement un copier-coller, au final. Hein. Il y a des trucs négatifs, mais il y a quand même des trucs qui sont beaux, il y a quand même de bels hommages à l'animé. Hein. Enfin, tu vois, je sais qu'il y a des différences, qu'il y a des trucs peut-être pas parfaits, mais... J'irai pas jusqu'à à dire qu'elle est mauvaise ou quoi. Je trouve que c'est une bonne série, je trouve que c'est une bonne adaptation. Oh, si seulement je pouvais lui envoyer un message et lui dire « Mec, j'adore ton skin. » C'est un monsieur avec un triangle de signalisation. Tu connais Bob l'éponge, mais où Flora? Tu peux l'ajouter en ami? Si, je pourrais retenir son pseudo et l'ajouter, mais... En vrai, je sais pas si ce serait utile. Tu connais Bob l'éponge ou pas, Flora? Il m'a feinté, hein. Bien joué, il a pris le KO, bien joué. Il y a des bottes pour faire le ménage, je suis morte. J'ai pas vu trop ces bottes. Pour faire le ménage, ça? Ah bon? J'essaie de communiquer avec lui, ok? Merde, j'étais trop loin. Je m'amuse un peu avec lui. J'avoue, je m'amuse un peu, mais je vais le regretter. Ouais, ben voilà. Je connais très bien Bob l'éponge et Patrick, mais pour moi, ça me fait plus penser à autre chose. Ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à quoi? Est-ce qu'on reconnaît le pantalon de Patrick quand même? On le reconnaît bien. On reconnaît quand même que c'est Patrick, hein. Allez, c'est ciao. Il était malheureusement, comparé à tout ce que je me suis pris dans la gueule, lui, il était un peu trop léger, quoi. J'ai beaucoup trop de mal, je voulais pas un copier-coller, et parfois, oui, tu dis ça, mais... C'est pas trop passé comme ça, mais en vrai, voilà, ça passe. Mais je trouve les persos, c'est pas ça. Sinon, ils ont chié sur la légende de Omachu, je peux pas. Ils ont chié sur la légende de Omachu? Ah bon? Je sais pas, j'ai pas eu cette impression, moi. Je fais quoi? Je fais un dernier combat ou pas? Le chat, est-ce qu'on fait un dernier combat en ligne? Dites-moi, c'est vous qui choisissez. Est-ce qu'on fait un dernier combat ou est-ce qu'on passe sur The Last of Us? Ouais, je sais pas. Faudrait en parler un peu plus en profondeur. Parce que là, comme ça, en surface, c'est compliqué. Faudrait que je me remémore un petit peu tous les épisodes et tout. Parce que oui, en fait, il y a plein de choses que j'ai pas trop aimées. Mais il y a plein de choses que j'ai aimées quand même, tu vois, dans la série. Et puis, à partir du moment où c'est une adaptation de quelque chose qui est déjà en live,
qui est déjà animé, ce sera toujours moins bien en fait. Vu que ce qui est copié, ben on connaît, donc c'est copié, donc voilà, même si c'est bien copié, on s'en fout. Et ce qui diffère, bah ça va souvent être un problème pour beaucoup de gens. Donc une adaptation, par définition, c'est jamais bien, je trouve. Ce n'est jamais bien. Adaptation d'un truc qui est déjà animé. Adaptation d'un livre, c'est différent. Des fois, ça peut être masterclass, des fois pas. Hein. Donc voilà, quoi. Salut Gnocchi, c'est pour qu'on le voit mieux, le panneau. Ou 12 de malin. Oui, oui. Ok, un dernier. Dernier combat, alors. Get ready for the next. Comment ça va, Gnocchi? Tu vas bien, hein? À tout à l'heure, Just Noru, bon appétit. Bon app. Vaut mieux le skin de Patrick avec un chapeau de carnaval, le chapeau de triangle. Bah, c'est pour faire la tête triangle de l'étoile de mer, tu vois. Aussi simple que ça. Hein. Pauline Ravin, j'ai pas compris. La dernière fois, je suis tombé sur une personne de la Seconde Guerre mondiale, dont je dirais pas le nom. Ouais, on peut trouver Hitler. On peut faire le skin d'Hitler dans Tekken. C'est vrai, ce n'est pas une blague. Ouais. Et une chose est sûre, je serai pas en couple. Ok. Comment ça? Ok, on joue contre l'accro au café. Attention, elle est dangereuse. Oh, la connexion. Oh, la connexion, j'aime pas. Oh, waouh, oh, waouh. Oh, waouh. Oh, elle est forte. Moi aussi, je suis fort. Ah non, je voulais y mettre le perfect. Hein? Oh, what the fuck? Hey, attends, elle va peut-être me battre. Ok, je vais prendre au sérieux. Et quand on prend au sérieux, on s'accroupit et on fait un petit coup dans les jambes. Ou dose de malin, falling out. Ah, c'est ça, elle a continué ta phrase, d'accord, ok. T'avais dit que c'était le dernier. Oui, mais je vous ai quand même posé la question parce que votre avis compte. Là, le combat a l'air un peu cool. Oh, ça, elle a cancel. Ok, j'aurais dû faire une attaque basse. Elle connaît peut-être pas assez bien King. Oh, waouh, je me fais def. Oh, waouh. Et comment elle a fait, là? Je suis arrivé avec une corde à linge. Le truc que j'ai pas aimé dans Avatar, c'est qu'ils ont pas adapté un élément qui serait important au développement de la saison 3. Tu peux me dire lequel? Myria. Là, comme ça, je sais pas duquel tu parles. Je sais qu'il y a pas tout. Waouh! La portée de ce truc. La connasse, elle m'a eu. Elle est forte, hein. Ah merde, c'est 3-0! Enfin, c'est 3-1! Genre, c'est fini, quoi. Mince. Rinis Café. Non! Est-ce qu'elle va me laisser la revanche? S'il te plaît, laisse-moi la revanche. Jiang Jiang, je ne sais plus. C'est quoi Jiang Jiang? Je n'ai plus la ref, Myria. J'ai plus la ref, je t'avoue. J'ai pas bien suivi, il y a eu un autre Avatar, Maître de l'air. Il y a eu une série Netflix, ouais, Miaou Flora. Il y a eu une petite série Netflix, une adaptation de l'anime. Ah, il est fort son R1. Le pouvoir du café, j'aime pas le café. Tu as raison, jamais bien pour moi, mais les persos, ça va pas du tout. Mais arrête, t'abuses, Suki, elle est super cool. Sokka, il est trop bien.
Aang. Aang, ça va, même si Aang, il manque le côté un peu gamin. C'est-à-dire qu'il est très sérieux tout de suite, il sait très bien ce qu'il doit faire, etc. Alors que dans la série, beaucoup moins, je trouve. Mais ça va peut-être venir après la saison 1. À cause de la, du côté de la, moon, etc. Là, tu vois, mais j'arrive plus à m'exprimer. Ça a pas marché, ça, son esquive. Oh. 2-0. Elle est forte, hein. Nécessita un masque à fait. J'ai plus au bon moment voir pouvoir se passer en action. Tu l'aimes bien ou quoi? Tu l'avais déjà un peu repéré? Pardon. Ok, on lui a mis son 3-0. Ça fait qu'on a 1-1. Elle m'a battu une fois, je l'ai battu une fois. Maintenant, la finale. Et bienvenue, Mammouth, installe-toi. Hein. C'est le maître du feu qui a déserté. Putain, c'est dingue, je m'en rappelle plus, Myria. Je m'en rappelle plus trop. Je m'en rappelle plus trop, tiens. Est-ce que c'est en lien avec l'introduction de la série ou pas? Tu sais, l'intro, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé dans l'animé, tu vois. Oh, waouh, bien joué, bien joué. J'ai essayé de temporiser. J'avoue, j'ai essayé de temporiser. Fight. Ouais, elle a bien fait d'enchaîner direct. Oh non! Non! Aïe 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 la pauvre! Oh je dis la pauvre, regarde! Non! Oh c'était presque le double KO! Elle me met 2-0 là actuellement! Oh wow guys! Non arrête! Elle cancelle tous mes coups! Arrête! Bon là je l'ai, elle fonce sur moi, elle me fait une attaque, donc ok. Ça va peut-être un peu reset, mais tu sors si t'aimes pas le café, je préfère le thé. Y'a que Sokka qui est bien, les autres. Sokka c'est le meilleur perso, je pense, dans la série, ouais. Je trouvais que Aang était mal joué, il a deux expressions. Moi je trouve que Katara est mal joué. Oh! J'avais oublié sa prise. Non, non, putain, je l'ai mis un 3-0, elle m'a mis un 3-0 derrière. Bien joué à elle, trop forte. Trop fort. Je trouve que Sasuna a l'air fun à jouer. Ou a l'air sympa. Je suis pas fan du personnage. Je suis pas vraiment fan du personnage, j'avoue. Mais ouais, elle a l'air sympa à jouer. Marcalé, mais en vrai, je le prends bien, faut pas s'inquiéter. Ah, tu t'es pris un vent. Oh non, Gnocchi. Bon, ça arrive, meuf. Ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Est-ce que je me suis déjà pris des vents, moi, dans la vie? Ouais, en vrai, ouais, mais pas des vents cash, tu vois. Je sais pas. En vrai, je sais pas si je peux te rappeler... Si je peux te rappeler plus qui est ce Jiang Jiang, sans spoiler violemment ceux qui veulent découvrir. Ouais, peut-être vaut mieux pas en parler ici, ouais. En fait, j'avoue, j'ai maté la série, j'ai surkiffé, mais il y a sans doute plein de choses que j'ai oubliées. Même si... Alors... La saison 1, quand même, il y a plein de trucs dont je me rappelais, tu vois, évidemment, mais ouais. J'aime bien les persos un peu agaçants qui queen tout le temps en sautant partout. Ouais, bah écoute, c'est le personnage qu'il te faut, alors, je pense. Oh.
Ouais, je sais pas, la série Avatar, non, elle m'a fait un peu kiffer, quoi. Elle est loin d'être parfaite, mais vraiment loin d'être parfaite, mais comme la série One Piece, hein, la saison 1, là. Moi, j'ai bien aimé, hein. Attends, elle est vraiment loin d'être parfaite, vraiment loin. Mais j'ai quand même bien aimé. En fait, j'ai quand même passé un bon moment sur les deux, tu vois, quoi qu'il arrive. Tu vois, je peux pas en attendre autant de l'animé, parce qu'à ce moment-là, autant regarder l'animé. Autant que pour l'animé, pardon. Autant regarder directement l'œuvre originale. C'est comme la série The Last of Us, au final, bah ouais, le jeu est mieux, quoi. C'est tout. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Une adaptation de quelque chose qui est déjà animé, de mon point de vue, qui ne vient pas d'un manga, qui ne vient pas d'un livre, qui vient vraiment d'un dessin animé ou d'un jeu où t'as déjà les cinématiques, de l'action, etc. C'est compliqué. C'est compliqué. Si tu fais un copier-coller, ça sera jamais parfait. Et si tu crées des nouvelles choses, bah, y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont détester. C'est compliqué, c'est compliqué. Plus facile d'adapter un livre. De mon point de vue. Ouh, j'allais éteindre la console, on va pas éteindre la console. Hein. Bon. YouTube, c'est la fin de cette VOD sur Tekken. On va aller passer sur notre bon The Last of Us, les amis. Est-ce que vous êtes chaud pour The Last of Us? Dites-moi. Hop, je disparais. Hop, je réapparais. Est-ce que vous êtes chaud pour The Last of Us? Dites-moi un peu. Ah oui, regardez. C'est pas bon. Attendez. Attends, YouTube. Ciao, YouTube. Salut. Merci, YouTube, d'avoir regardé. Je me suis un peu énervé encore, t'as vu? Un peu trop, même. Je me suis fait péter la gueule. Attends. Je vais quand même devoir apprendre à mieux jouer. Hein. Je l'avais dit la fois passée. Va falloir que, avant le prochain live sur Tekken, que je m'entraîne un petit peu. Je vais essayer de m'entraîner un petit peu. Apprendre quelques moves, savoir quoi faire dans telle ou telle situation, vraiment connaître des choses précises que je pourrais choisir de faire au moment voulu. Donc j'arrête de compter que sur mon feeling et mon improvisation, parce que là, ça commence à me coûter cher quand je joue contre des joueurs en ligne, d'accord? Donc voilà. J'ai quelques persos en tête et je vais au moins essayer de me faire une session tranquille, hors live, pour m'entraîner avant le prochain live. Je promets rien niveau level, hein, mais... Où je me pose, je regarde les touches dans le menu d'aide, etc. Tu vois, je pense. Bon, allez, YouTube, enfin, salut. Hein. T'inquiète pas, je pars contre où je file manger.